bonsoir et bienvenue au Vendredi Tout est Crépit. Et ouais, je suis en peignoir, et alors ? Alors salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Vendredi Tout est Creepy sur la suite de Summer of 58. Ça fait longtemps, j'espère que je vais savoir y jouer facilement. J'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés pour jouer avec moi, même s'il n'y a que moi qui joue. Moi je vais essayer de me rappeler des touches. Night 3. Alors oui, je suis en peignoir parce que j'ai froid, ici il fait froid, l'hiver vient comme disait l'autre, et je n'ai pas, j'ai beau allumer les chauffages, je sais pas, fait tout le temps froid, donc aujourd'hui je vais jouer en peignoir. Alors où en étions-nous ici dans le musée de l'horreur? Montons le son parce que je suis un gros psychopathe. Ah oui, je me souviens de cet endroit, j'ai besoin, ah ouais, il veut son dictionnaire. Il avait pas besoin, il me semble, la dernière fois. Oh, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, connard, elle laisse la bougie allumée. Pourquoi il souffle sur la bougie comme ça, lui? Il m'a fait déjà peur, ce connard. Bon, rappelons-nous. J'avais crié très fort parce que j'avais rencontré une miss, là, assez vieille, là. Bon, on ne juge pas sur l'âge, mais ça m'avait fait très peur quand même. Donc, avançons. Ah, putain, j'avais oublié que ça se jouait en WASD de mes deux. Oh là 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 là. De toute façon, c'est bien simple, je ne joue qu'en S et W. Hein. J'avance et je recule. Hein. Tu connais la suite de la musique. Pourquoi les chaînes, elles se sont remises? Mais qui c'est qui marche là? À un moment donné, faudra se montrer. Hein. Et j'espère que le jeu a sauvegardé ma partie et qu'il n'y a pas eu une couille qui m'a tout effacé, ce boyard. Ouais, je vais recommencer et... Bon ben vous, je vais éviter de vous infliger la même chose. Putain, t'as... Hein? Oh putain, mais c'était ici, c'est vrai qu'elle... Qu'elle est apparue l'autre, la première fois. Ah! Putain, tu crois que je connais le jeu par cœur? Ta mère. Discrétion zéro. Tata. Tata. Ouais, tata, tonton, toute la famille si tu veux. Je savais qu'ici il y avait un outil. Voilà. Alors, rappelons-nous. Je sors de là, je vais dans l'autre pièce et c'est là que tata débarque. C'était pas ici, c'était dans l'autre. Là. Voilà. Je m'étais arrêté là après une possible crise cardiaque. Que j'ai évité, hein. Je suis assez fier de moi. Mais on y go, hein. On fonce, hein. Nous sommes des winners, nous n'avons point peur. J'ai point peur, mais un peu quand même. Ouais, ok. Ah, j'ai fait la même gueule qu'elle. Je vous mets les deux images côte à côte. Pourquoi je suis enfermé aux toilettes? Merci. Ah, ça a changé. C'est fermé. Et je suis de l'autre côté, là où ça marchait tout le temps. Attrape-rêve. Il me semble que attrape-rêve noir, ça porte malheur. Non? Ou c'est pour les mauvais... J'avais vu un film là-dessus. Un truc comme ça. Ok. Tchouch! Il se passe quelque chose. J'ai peur de l'eau qui déplanche. Ah, ok. On joue au pendu. Première lettre. P. Oh, il y a des bodies. J'ai pas eu le temps de lire.
C'est des tout petits corps. C'est des corps d'enfants. Et quoi? Oh, j'ai entendu du bruit. La pendue ne l'est plus. Ouais. Mais j'ai quand même une grosse paire de coronesses hein, de jouer comme ça. Franco et tout, et de regarder au plafond et tout ça. Le 5 couteau, qui est joli, soit dit en passant. J'aime bien. Stylé, mode Batman. Ah! Oh! Quoi? Hé! Hey! Putain, t'es un fou! T'es un fou, parce que je prends des papiers, ça y est, pète un câble, l'autre. Il faut dire aussi que le son dans mon casque, pas bon, Otto. Ah! Ouah! Ça rase, hein. Ah, on se casse? 3 semaines plus tard? Ok. Ah. Nous sommes de nouveau au camp. Pourquoi la musique me fait penser à... une possible fin? Lapin, est-ce la fin? Ça parle d'amitié. You friends, Alex Morton. Apparemment, j'ai aidé un Yakov à retrouver la paix et la liberté. Bon bah c'est déjà la fin de Summer of 58, je ne pensais pas que j'étais si près du but. Ce fut court mais ce fut bon. J'ai pas tout compris dans l'histoire mais l'important c'était de pas forcément comprendre mais d'y avoir joué, j'ai bien aimé quand même. Oui j'ai plus ou moins compris mais sans plus. J'espère malgré cette courteté, je sais pas si ça se dit, cette vidéo vous a plu, si c'est le cas vous savez quoi faire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un pouce bleu, un abonnement si c'est pas déjà fait et un partage, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous fais des bisous, je vous dis bonne nuit et à la prochaine, ciao ciao.